N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ce n'est plus un secret pour personne. Lionel Messi fait partie des favoris pour le prochain Ballon d'Or. La Pulga, bien qu'éliminée en Ligue des Champions avec le Barça, a fait une saison monstrueuse. Messi termine meilleur buteur de la Liga et mieux, a dominé la Copa América. Le sextuple Ballon d'Or a aidé l'Albiceleste à remporter le trophée cet été et forcément un septième ballon d'or est crédible. 2021 a été une très bonne année footballistique pour Lionel Messi. Ses 28 buts en 28 matchs pour le Barça le prouve. Son but en finale de la Copa del Rey a fait le tour du monde. Et puis, il y a eu une Copa América que les yeux rêveurs du monde ont vu au petit matin. Cette compétition a fait de lui le meilleur du tournoi, le MVP de chaque match. Mais un septième ballon d'or de la Pulga, désormais joueur du PSG, va mettre fin à une disette de 30 ans. En effet, depuis Jean-Pierre Papin, le ballon d'or n'avait jamais été attribué à un joueur évoluant dans le championnat français. Cela fait 30 ans que l'attaquant de l'Olympique de Marseille a été élu meilleur joueur d'Europe à l'époque. Messi est aujourd'hui joueur du Paris Saint-Germain, le club phare du championnat français et France Football décerne chaque année le ballon d'or à Paris. Ce sera donc une folie chez les supporters parisiens de voir un joueur du club de la capitale soulever le ballon d'or.